at the end, Tiger went to, he's friendly with the martial artist Jackie Chan, who's an incredible person. And so Jackie Chan's team went to go see Man of Tai Chi. And Tiger went to Jackie's club after. And all of the guys, when they saw Tiger, came up to him and they were like, good job, really good job, and wanted to take a picture with him. And so when Tiger told me that story, that he got respect and appreciation from people that he holds in such high regard, I was so happy for him, you know, and that Tiger liked the film as well. So that for me was like, yes. Alors voilà, c'est vrai que lorsque nous avons filmé la première scène de combat où Tiger est dans la pièce et où on est en train de filmer, c'est vraiment notre première scène de combat, et à la fin on regarde les rushs, on se dit waouh, c'est génial, on n'a plus que 12 scènes encore à faire, tout va bien. Donc il regarde les rushs, tout le monde commente sur les décors, la beauté des décors, la chorégraphie, les combats, etc. Et tous les départements vraiment du film réunis se disent c'est génial, je crois qu'on le tient, on a un film là. Et puis, à la fin de ce combat, Tiger est très ami avec Jackie Chan, qui évidemment est un grand, évidemment spécialiste également des arts martiaux, évidemment que vous connaissez, un acteur. Et il va dans le club le soir avec son équipe. Et à ce moment-là, tous les copains de Jackie Chan l'entourent et lui disent « Mais c'est génial, vraiment, bravo, on est bien fait !» Et tous ont voulu poser avec lui et faire une photo. Et à ce moment-là, Tiger a su, parce que c'était un compliment qui venait de gens qu'il respecte infiniment, mais il s'est dit « On a là vraiment quelque chose. » Donc ce qui m'a vraiment rendu heureux, c'est que Tiger, déjà, soit très heureux de cela, et que toute l'équipe, finalement, ait la sensation d'avoir eu un projet et un vrai film à faire et à défendre. Et c'est cela, surtout, qui m'a rendu heureux, plus que tout.